Good morning, Aleiden, le tueur aujourd'hui, l'Elo Nishmat, mon cher oncle Norbert Avraham Chai Ben Fortuné, Rachamim Ben Rosa, Echaya Batoto, ainsi que l'enfant de Refel, Zebulon Ben Chamalia, Myriam Batrasidado, Ben Yudit et Sarah Bat Betir Ravka, Betor Charles Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Bechorot, Pregdalet Mishnahé. Hanotel Scharo Lihiot Roe Bechorot, En Shochatin Alpiv, Elaim Ken Hayam Umche Keila Beyavne. שיתירו לו חכמים להיות נוטל ארבע עשרות בבהמה דקה ושישה בגסה, בין תמים, בין באלבום. Pour rappel, on situe d'abord. Lorsqu'on a un premier né d'ouverture de matrice d'une vache ou d'un mouton, d'une brebis ou d'une chèvre, le premier né mâle, eh bien, il a une gdoucha de Bechor. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait le donner au Kohen, que le Kohen va l'apporter au Beth Amikdash et il va en faire un Corban, il mangera la viande, lui et sa famille et ses amis. Ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash. À notre époque, plus du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait avec le Bechor? Eh bien, on le donne au Kohen, et le Kohen, il attend qu'il va avoir un défaut. Ou bien même, l'Israël aussi peut le garder, il attend qu'il ait un défaut. Et lorsqu'il aura un défaut, c'est quoi un défaut? Quelque chose qui va l'invalider à devenir un Corban. Donc, cet animal, il était prédestiné à être un Corban. Il a eu manque de peau, il s'est fait... il a une fente dans l'oreille, dans la lèvre, dans un défaut dans les yeux, toutes sortes de défauts que la Gemara, on va en parler un petit peu plus tard de certains défauts. Eh bien, donc il y a eu un défaut, on peut plus en faire un corban. On peut plus en faire un corban, la Torah l'a dit, ben, toi le Kohen, tu pourras le manger si tu veux. Donc, d'où l'importance, attendre que le Bechor, il va avoir un défaut. Une fois qu'il a eu le défaut, il faut nécessairement le montrer à un expert, comme vous le connaissez dans la Mishnah précédente, on définissait les conditions requises de la personne, donc il doit être Racham, et il doit être nommé par le grand Rav du Nassi, le dirigeant, le mentor du peuple, qui doit le désigner, que lui pourra lui permettre les Bechorot, c'est ce qu'on appelait la Smicha pour les Bechorot, pour définir est-ce qu'il a un défaut ou non. Maintenant, la Mishnah continue à m'apprendre une condition essentielle, que Hanotel Scharo Lihiot Roe Bechorot, celui qui va prendre un salaire pour pouvoir voir le Bechor, pour voir est-ce que ce défaut, c'est un défaut qui est invalide ou non, eh bien la Mishnah me dit, il n'a pas le droit de prendre un salaire en fait. En Shochatin Alpiv, on ne pourra pas se fonder sur sa parole, sur sa décision. Pourquoi? Raison très simple. Vous venez me voir pour me demander toutes sortes de halachot. Si c'est permis ou si c'est interdit, vous venez me poser la question si c'est permis ou si c'est interdit. D'abord, je le jette de manière... Je pose l'idée, après on va mieux la définir, mais en tout cas, l'idée, elle est que je risque d'être un petit peu soudoyé, de vouloir trouver grâce à ceux qui viennent me poser une question, puis de manière à ce qu'ils vont venir me poser des questions. S'ils vont payer, c'est normal. Donc finalement, il va y avoir un petit problème qu'on va craindre au moins extérieurement. Ça a l'air d'être ainsi, donc il y a un problème que je suis en ce moment, je reçois de l'argent pour pouvoir permettre une chose. C'est moche, d'accord? C'est du chochad. Ça s'appelle, comment ça se dit en hébreu en français, des pots de vin. Comme si je reçois un pot de vin pour pouvoir permettre quelque chose. Donc interdit de prendre un salaire. À une exception toutefois, Elaim ken hayamum reke ila beyavne, sauf si c'est un expert comme ila a yavne. Ila, c'était un rav de yavne, un chacham, et il était expert, il était réputé pour être quelqu'un de... un chassid, le Barthel nous rapporte. Chassidayav l'onershad bekar, c'était un homme qui était parfaitement loyal au possible, et il prenait un salaire, c'est normal, ça lui prend du temps, se consacrer à répondre à des questions de halakha ou toutes sortes de trucs, ça prend du temps, donc on lui donne une petite compensation. Mais alors dans ce cas-là, il y a plusieurs conditions pour lui donner ce petit salaire, c'est que Shetirulo Chachamim lihiot notel arba'a isarot bebehem adaka, que Chachamim lui ont permis, Shetirulo Chachamim lui ont permis lihiot notel de prendre arba isarot, de prendre 4 isar bebehem adaka pour des ovins, du menu bétail, veshisha bagassa, et 6 isar pour du gros bétail, pour une vache. Ça demande plus de travail de la mettre à plat. Et on va expliquer pourquoi. Et précisément, d'abord, je vais finir la phrase comme ça, on s'acquitte des mots. Ben tamim ben baalmum, que ce soit un animal qui était intègre, parfait encore, ou bien qu'il avait un défaut qui invalidait. On explique un petit peu mieux l'idée générale. Le problème de notre Mishnah, c'est que si je reçois un salaire et que je permets quelque chose, eh bien, on va me soupçonner de prendre des pots de vin pour pouvoir permettre
Après, on va se retrouver avec des gros bras qui vont venir, qui vont vouloir me donner un petit peu plus d'argent pour que je permette un peu plus. On veut pas que ça, on ne va pas rentrer dans ce système. Donc, Rami, on est d'abord que tu reçois pas d'argent. Sauf si tu es quelqu'un qui est, d'une part, réputé pour être chassid. Mais en plus de ça, on te pose plein de questions. Chassid, c'est quelqu'un qui est parfait dans toutes ses conduites, super loyal, parfait, propre. Et en plus de ça, il faut nécessairement qu'on me donne un salaire fixe que je permette ou que j'interdise. Quel est l'intérêt d'abord de faire ça? D'abord, je m'acquitte d'abord d'un autre problème. Un salaire fixe, fixe c'est selon les bovins et les ovins, c'est normal. Une vache à mettre à plat pour pouvoir vérifier est-ce que dans le ventre elle n'a pas de fissure, elle n'a pas de truc, tout ça. Vous imaginez que c'est beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir ligoter, il va falloir ça demande plus de travail, plus de temps. Donc, ramé aux enfixés, on te donne 6, tandis que pour du menu bétail, c'est beaucoup plus facile, tu prends juste 4. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a encore un problème. C'est qu'il a fallu nécessairement, pour pouvoir permettre ce salaire, il a fallu rentrer dans ce jeu où je prends le prix, quoi qu'il arrive, que tu sors. Que t'es gain de cause ou non, c'est-à-dire que ce soit un moum qui va, un défaut qui va invalider ou qui va valider, quoi qu'il arrive, tu dois payer le prix. Dans ce cas-là, je ne vais pas être moi quelque part soudoyé de peut-être vouloir permettre pour que je reçoive mon salaire, parce que si je ne le permettais pas, je ne recevrais pas mon salaire, donc je vais être soupçonné de ça. Non, alors Rami, ils sont venus, ils ont dit, bah, tu sais quoi, tu prends un salaire quoi qu'il arrive. Premièrement, il y a encore un petit problème, c'est que, c'est-à-dire tu prends le salaire quoi qu'il arrive, mais peut-être que dans ce cas-là, quand je vais invalider l'animal, le défaut, parce que c'était pas un défaut qui est invalide, peut-être que dans ce cas-là, on va me soupçonner que, en fait, l'animal, il est cachère. On peut déjà l'égorger. Seulement, moi, je l'invalide parce que j'ai envie qu'il revienne une deuxième fois. C'est aussi un autre problème. Alors là, comment on explique? Non, mais je prends une seule fois le salaire. C'est-à-dire, pour un animal, on va prendre pas un mouton, je prends 4 hissards. Tu me donnes 4 hissards, et puis dans ce cas-là, je vois le mouton, et que je le valide le défaut, ou que je l'invalide, que je dis que non, l'animal, on ne peut pas encore l'égorger, je prends les 4 quoi qu'il arrive, premièrement, et si toutefois l'animal, il est encore, je dis que le défaut n'invalide pas, donc pour le moment, il a encore cette bouchette à pouvoir l'égorger, si tu reviens une deuxième fois, je devrais le voir, voir, parce que ce défaut, il est mieux, sans prendre de salaire. Dans ce cas-là, je ne vais plus être soupçonné d'invalider, en fait, la shrita, de peur que, afin de te soyer à ce que tu reviennes et tu repayes. Donc vous allez me dire, mais dans ce cas-là, peut-être que dans ce cas-là, je vais te soudoyer à l'envers, de vite permettre, comme ça, il ne va pas revenir me casser les pieds tous les deux jours avec, et là, une nouvelle égratignure, et là. Ça aurait pu être une nouvelle crainte. Alors dans ce cas-là, tout ça, ils expliquent que je prends l'argent, ça se passe comme ça. Je vous dis la formule finale. C'est que je prends l'argent, quoi qu'il arrive, par animal, quel que soit le verdict. Est-ce qu'il sera cachère à égorger ou non? Si j'invalide à égorger, il est en droit de revenir me voir, mais je ne suis pas obligé de l'accepter. Alors là, on a réussi à rétablir l'équilibre. Je ne suis pas obligé de lui dire que je veux voir. Dans ce cas-là, moi, je n'ai pas d'intérêt, je prends mon salaire, dans ce cas-là, je n'ai plus d'intérêt à pencher dans un sens ou dans l'autre, de permettre ou d'interdire la shrita, parce que quoi qu'il arrive, moi, je reçois le salaire une fois, je ne suis pas engagé à le revoir une deuxième fois. S'il revient une deuxième fois, je ne veux pas lui reprendre l'argent. Donc dans ce cas-là, c'est l'équilibre, plus ou moins, pour ôter de moi tout soupçon d'être soudoyé dans mon verdict. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakol, tout, c'est là.